Incroyable mec, t'es carrément dans le truc. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, allez, enfin, on se motive, on va installer le frigo, le fax, on va voir pour réfléchir à tout ça. Teinter aussi le cuir. Des consoles centrales avant et arrière, donc là il y a un petit peu de taf aujourd'hui. Donc là on va débâcher la mammaire, sous sa petite housse sur mesure. Donc j'ai un petit peu de boulot. Mais on va le faire enfin, ça ce sont les baguettes Audi exclusives que j'ai installées à l'avant. Je vais vous montrer juste après. J'ai laissé celle de l'arrière en mode W12. Donc là on a le fax avec son petit support qui va être comme ça, qui va coulisser en fait. Donc ça va être assez sympa. Là on va réinstaller toute la console. Et là c'est toute la console avant, donc on va la poncer, la reteinter. Donc il y a un peu de boulot mine de rien. Et le frigo on va devoir adapter, découper à l'arrière. Mais ça va être cool. Une fois fini, franchement, on va pouvoir boire du champagne. Tiens. Ah, Léo. Yo mon petit Dylan, il y a un abonné à toi qui veut qu'on fasse une vidéo pour comparer la S63 et la W12. Donc j'arrive, je suis chez toi dans 5 minutes. Ok, ça marche pas biche, vas-y, à tout de suite. Bon bah du coup, changement de vidéo, on va plutôt faire un comparatif des deux limousines. Mon chef qui arrive. Oh, elle est magnifique, c'est la première fois que je la vois en plus là. Bah écoute, on va se mettre par là-bas, à côté du Q7. Oh là, c'est beau. Vas-y, bah j'arrive tout de suite, je débâche la voiture. Allez hop, on va se foutre dehors, ça sera mieux. Au soleil. Mettre les deux limousines côte à côte et on va comparer un peu les options, la motorisation, le luxe. Tu remarqueras que moi mes feux US ils ressortent pas comme la S100. Je dis ça, je dis rien mon chef. C'est toi qui vas me le refaire. C'est vrai qu'en fait elle fait aussi longue que la tienne. Au départ je la voyais plus petite mais... Elle est vraiment trop belle, je la kiffe. J'ai plus envie de la vendre. Pas la vendre. Mais ça restera pour moi une des plus belles de toutes les A8. Ouais, comme ça c'est parfait. Oui, c'est la plus belle. Les modèles D3 4E. Ah et toi t'as pas de ligne d'échappement sur la tienne? Non. Toi c'est d'origine. Vas-y, ferme les clapets. Et voilà, plus de bruit. Oui. Ça chante quand même, même fermé. T'as vu que la voiture, la caisse elle bouge. Elle bouge de ouf hein, quand on accélère. Donc voilà, les deux bêtes sont réunies. En plus là pour la vidéo on a mis le petit micro cravate. Donc impeccable, on aura une qualité de son. C'est carré. Incroyable, c'est carré ouais. S63 AMG les amis ouais. Donc ça court pas les rues. Non. C'est assez rare même je crois. Bah ouais, je crois qu'il y en a une à vendre sur le bon coin. Bah c'est ce que j'allais dire, j'en ai même jamais vu. Ouais, c'est la première que je vois en version du coup limousine. Ouais, c'est une L ouais. C'est une L, donc comme la mienne. Donc moi on est sur 5m19, toi elle fait combien de long? 5m30. 5m30, ah la tienne est plus grande. Ouais. On parle des voitures. La peinture, elle dirait qu'elle est neuve. Ouais, c'est... bah elle a eu un lustrage complet. Ouais. Et un traitement céramique. Ah, ça c'est top ça. Donc c'est fait par SMTB Automobile. Je me posais la question tout à l'heure quand je t'ai vu arriver, t'as des suspensions pneumatiques toi? Ouais, ouais, suspensions aromatiques, ouais. Donc là t'es au plus bas? Ouais, je suis en normal, confort, tout ça. Je sais pas si en sport ça la descend. Bah normalement, ouais. Moi elle est vachement plus basse parce que moi aussi j'ai des suspensions pneumatiques, mais tu sais, moi j'ai mis des petites cales pour induire la voiture en erreur. En fait, tu peux faire pareil. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. J'ai pas envie de toucher. Ouais, c'est tout simple. Hein. Le kit coûte 70 balles et c'est hyper simple. Ouais, ouais, je toucherai en mode. Ah, mais t'imagines la poser sur les jantes là, ça serait stylé. Les jambes, je te change. Ouais, tu passes en 20. 20 pouces. Ouais. Et là, t'es monté en combien? 19. 19. Mais en fait, l'ancien propriétaire, je pense que c'était pour le confort parce que tu vas voir à la conduite, c'est assez raide. D'accord. Vu qu'elle est à châssis AMG, elle est assez raide. Donc, moi, on est monté en 22 pouces et c'est vrai qu'effectivement, en 22, on perd un peu de confort. Mais bon, moi, c'était le côté grosse jante. Moi, j'aime bien, c'est monstrueux. C'est pour ça que moi, je veux des 20.
Parce que je trouve que tu vois, le 19, c'est... on dirait pas du 19. Tellement grosse que voilà. C'est vrai. Puis avec ses arches de roue et tout. Puis moi, je vais pas te mentir, tu vois, en 22, il y a pas longtemps, j'ai eu une hernie sur un pneu, c'est le problème. En fait, t'as tellement pas de pneus, bah, le moindre choc à un trottoir, bah, c'est fini quoi. T'as plus qu'à changer. Puis là, sur un quattro, tu changes les 4, hein. Ça pique en 22. Elles sont commandées. Elles sont commandées, ouais. Donc j'attends que ça arrive. En tout cas, elle est vraiment très très belle. Le devant, l'arrière. Moi, je préfère l'arrière que le devant, tu vois. Bah, comme on habite. Moi, j'aime les deux, surtout qu'en fait, ça, c'est une phase 1. Donc, il y a eu deux phases sur celle-ci. D'accord. Celle-ci, c'est un 6-2 AMG. D'accord. Et sur les phases 2, c'est un 5 litres 5 biturbo. Ah oui. Donc, c'est pas le même bloc et tout. Et même toute la face avant change. Sur les phases 2, t'as des blocs avec des LED partout dedans, tout ça. Et le pare-choc, il est dessiné autrement. Il est beaucoup plus gentil, entre guillemets. Et là, celui-là, il est très agressif avec les. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu. Ça ressemble un peu au C63, je trouve, là devant. Ah ouais. C'est fait même pare-choc. C'est but, toi, un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, t'as pas de LED d'origine. Non. D'accord. C'est du Big Xenon. Avec bah comme toi. Ouais c'est ça. Ah mais moi tu vois c'est les versions phase 3 si j'ai pas de bêtises. Moi c'est ça qui est bien, elle est équipée tout en LED. Moi en fait les anciennes A8, là c'était en halogène et moi je suis tout équipé en LED. Ouais, avant, arrière, les phares sont beaucoup plus jolis, ça fait des bandes LED. Bah moi c'est une 2008 et toi du coup c'est une 2009. 2009. Ah donc ouais c'est kiff kiff. C'est vraiment les. Les deux limousines des années 2000 quoi. Ouais, c'était les deux grosses luxueuses haut de gamme. Ouais. Alors ça existait en V12 hein, aussi. D'accord. Donc toi en comparaison, ça serait le S600 et qui est en V12 biturbo. Ah donc là, c'est ça. Donc t'auras plus de puissance, voilà. Que moi on est sur un double V12 Atmo de 450 chevaux. Donc passage au banc, elle sort 440, reprogrammation éthanol. Et toi du coup, est-ce que tu l'as passée au banc déjà? Ouais, elle est passée au banc bah, chez RS Ronic. Ouais bien sûr. Donc elle a carto éthanol, mais moi j'ai pas fait de modification de puissance. D'accord, c'est d'origine. Ouais, c'est juste flex fuel. Et elle sort 500. 500 chevaux, donc ouais. T'as plus de puissance que moi. Ouais, 500 chevaux. Pour combien de poids 2 tonnes 3. Ah bon, on est kiff-kiff sur 2 tonnes 4, elle est plus lourde quand même la mienne. Ouais, mais c'est environ pareil. Bah peut-être par rapport aux options des équipements, ouais, parce que c'est vrai que toi elle est un peu moins optionnée, ouais, on disait ça tout à l'heure. Vu qu'elle a été préparée par AMG et pour... En fait, AMG, tu peux pas prendre toutes les options. À cause du fait que, bah voilà, ils maintiennent une sorte de rapport poids-puissance. Ouais, c'est ça, pour économiser sur le poids. Et celle-ci, elle vient du Japon. D'accord, tu l'as fait. C'est pour ça qu'elle a des immatriculations avec un format un peu bizarre. Ah oui d'accord, j'ai même pas fait gaffe effectivement. Ouais. Mais c'est marrant la petite plaque comme ça, tu vas laisser? Moi je préfère. Ouais je trouve ça excellent. Et t'as le droit du coup en France de garder ça? C'est un format, tu veux, elle a le format de plaque qui est comme ça, derrière c'est comme ça. Oui c'est vrai après. La plaque en soi, t'as vu c'est bleu, machin, il y a le département donc c'est correct. Ça fait un petit peu plaque de moto je trouve. Ouais c'est ça, bah, en fait c'est une plaque US, c'est comme le même format qu'une plaque américaine à peu près. Tout comme moi, c'est un format de plaque teinté noir, ouais, totalement légal. Totalement conforme, ainsi que la couleur aussi du département. Oui, c'est vrai, fond noir. Je l'ai acheté comme ça, c'est pas moi. Ouais, c'est le mec d'avant avait marqué Dylan Gauthier dessus, c'est pas moi. ouais, elle vient du Japon, elle a mis 3 mois de bateau. D'accord. Et donc je l'ai fait venir par un bon ami à moi qui est à La Roche-sur-Yon et ça s'appelle Luxury Carbes, le garage. D'accord, bah n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés pour importer des voitures. Ouais, carrément. Ça peut être intéressant pour une RS7, on verra ça. On en reparlera hors vidéo. Ils font de tout. Non, ils font que des voitures de luxe. D'accord, ok. Donc, que des Mercedes, que des Audi, que des BM, voilà. Donc que des grosses voitures. Et en fait, j'hésitais entre un Classe G et ça. Ah bah c'est complètement une philosophie différente, de toute façon là, ça c'est AMG donc... Ouais, bah moi ce que j'adore, à choisir entre les deux, tu vois, je serais plus sur la Merco à l'arrière, c'est vrai qu'elle est quand même plus belle du cul je trouve. Ouais, avec les 4 sorties d'échappement, c'est... Le petit béquet, la petite... Bah tiens, le petit béquet, on en parlait tout à l'heure, du coup ça c'est toi qui l'as rajouté. Ouais, enfin c'est un accessoire d'origine mais que moi j'avais pas. D'accord. Je l'ai acheté et je l'ai fait repeindre en carrosserie, voilà. Ah c'est vrai que ça fait moins arrondi, ça casse la coupe, c'est... J'aimais pas trop l'arrière un peu Bentley que de ces générations-là, et là je trouve que ça finit en fait. Ouais c'est ça, ça faisait vachement arrondi avant, que là ça part vraiment en pointe, c'est vraiment très joli. Ouais, j'ai pas envie forcément de faire de grosses modifs esthétiques dessus, mais ça c'est cool. Par ça, du coup, le béquet, ça sera une des seules... Le béquet, les jantes, les rétroviseurs, je vais passer en phase 2. C'est quoi la différence? En fait, ils sont plus carrés, il y a des griffes. Ah oui, ok, je vois. Ouais, ça et après, c'est tout. Moi, je l'ai laissé comme ça. Même de base, je voulais faire un déchromage, tu vois. Ah oui, tout full black, quoi. Oh, sur une limousine, j'aime bien, tu vois. Moi aussi, au départ, je voulais faire ça, et tu vois, j'adore. Et en fait, non. Ouais, ça, faut laisser... C'est élégant comme ça, donc... C'est très, très beau, même. Bah moi, il y en a beaucoup, comparé, tu vois, à la tienne, il y a peut-être plus de chrome, tu vois, avant, arrière... Ah non, remarque, t'en as, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, juste sur le coffre. Ah si, c'est plus ou moins qui fiffe, facile, moi les poignets. Ah non, toi aussi. Ouais, moi aussi. En fait, non, j'ai... Bah toi, ils sont plus discrets, en fait, on les voit pas pareil. Ouais. Mais en fait, il y a autant de chrome. Ouais, c'est moins prononcé.
Bah, de toute façon, c'est marrant, cette voiture-là, malgré qu'elle soit de la même année, tu sens bien qu'il y a une évolution. Ouais. Tu vois, par exemple, là, t'as pas de baguette. Il n'y a pas de baguette au milieu comme toi. Oui. C'est un truc qu'on faisait beaucoup dans les années 2000. Ah oui, c'est vrai. Ça n'existe plus maintenant sur les voitures. Il n'y en a plus du tout. Elle était vachement en avance, finalement. Et sur celle-ci, ça t'a vachement les ailes bombées. Ouais. Ça ressort de ouf. Hein. Ouais, bah pour la petite info, c'est ce que je détestais sur cette voiture. Ah ouais? Ouais. Et puis finalement, la voir en vrai et tout ça. Bah, elle est imposante, bien. Elle est énorme. C'est qu'en fait, la voiture, elle a été conçue pour le marché chinois, de base. En fait, Mercedes, ils s'adaptent en fonction des marchés, etc. Ouais. Et le marché émergent de ces années-là, c'était les Chinois et les Japonais, enfin, de toute façon, les pays asiatiques. Et en fait, ils avaient pris un designer qui a fait une étude de marché. Ouais. Bah, pour que la voiture corresponde aux critères que les Asiatiques. D'accord, et ceux qu'on. Et donc, grosse aile, etc. D'accord. Voilà, ouais. Tout ça, ça fait partie du délire d'avoir une grosse berline imposante. D'accord. Voilà. Les vitres teintées, il faudra que tu les passes chez Solar Shield. Elles sont déjà teintées. Non, je sais. Elles sont déjà teintées, et en plus, elles ont un traitement. C'est-à-dire un traitement. Si tu te mets ici, elles sont bleues. Bah, c'est vrai qu'elles font pas noires. Elles font. Ouais, d'accord. Elles ont un traitement UV extérieur. Donc c'est toi qui as mis un film exprès ou ah c'est... Non, 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 ah c'est les vitres d'origine qui sont comme ça. Les vitres d'origine qui sont comme ça, elles ont un traitement UV extérieur. D'accord, c'est joli, ça fait un petit reflet sympa. Hein. Ouais, et ça marche vachement bien. Bah ça fait un peu comme les lunettes, vous savez, des fois qu'on est reflets ouais, un peu violets. Bah, c'est exactement le c'est même. C'est ça, ok d'accord. Est-ce que t'as des trucs genre vitre anti-fraction, double vitrage, trucs comme ça comme ouais, moi double vitrage. Ouais. Bah ouais, bah c'est pareil, c'est ouais. Comme moi. Normal. Hein. Ça fait des gros carreaux, bah. Double vitrage partout, lunettes à thermique, pare-brise à thermique. Donc tu sais, ça se teinte en fonction du soleil, ah je oui. Sais pas si toi c'est pareil. Ça je pourrais même pas te dire, je sais même pas. Caméra de recul quand même déjà. Ouais bah moi c'est pareil, je l'aime, mais la qualité par contre t'es pas ouf ouf. Non c'est pas ouf. Ouais bah c'est les premières caméras qui venaient de sortir. Bah t'as une option où tu vois en 3D où est-ce que la voiture va se garer. Ah ouais, ça se fait pas ça. Et en fait tu diriges ton volant pour... D'accord. Parce que bon c'est vrai qu'elle est assez grande donc... Bah c'est vrai que ça fait. La garer en ville, bah, là on voit bien la différence avec une berline. Normal, non limousine, c'est la taille des portes. Ouais, la taille des portes, elle est juste énorme. Les portes arrière sont beaucoup plus grandes que les portes avant. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, elle est plus grande. Hein. Ouais, tiens, on arrive là. Ouais, il y a un bon 15-20 cm quoi. Ouais. Et comparé à la mienne, à peu près. Là, on n'est pas au centimètre près, mais. Ouais, c'est pratiquement la même taille. Ouais, c'est kiff-kiff. Ouais, ouais, tu vois, ça fait un bon 15 cm de plus aussi. Moi, j'ai le petit bouton là sur les poignets pour pouvoir fermer la voiture. Ah oui, non, j'ai pas ça. Ouais, le petit le bouton. Go et tout ça. Ouais, c'est ça, en gros, ça ferme la voiture quand t'appuies sur le petit ouais, carré. J'ai pas du tout le Keyless Go. Attends, je vais dégager ça. Ah, ton coffre, par contre, est beaucoup plus dynamique que le mien. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as, toi? On voit la différence là. C'est pas pareil. Bah, toi, tu dois avoir des espèces de ressorts qui fait qu'il saute vite aussi. Je sais pas du tout comment c'est foutu, je t'avoue. Ah, attends, bah, moi, je vais mettre mes petits drapeaux quand même. C'est une voiture royale. Ouais. Pour la vidéo. Moi, elle devait appartenir à un mafieux. Un mais une AK-47 dans le coffre. Là, mes petits supports drapeaux à l'avant. Tac. Ouais, c'est complètement différent entre l'avant et l'arrière, en tout cas des deux. Bah déjà, là, toi c'est full black, moi c'est hyper clair. Ouais. Je préférais les voitures intérieur noir. C'est ce que je voulais une A8 noire. Avec intérieur noir, j'ai vu celle-ci, bon, du coup avec ça les options uniques de la reine royale. Donc pour ça il me fallait absolument celle-ci. Mais en fait elle est pas noire, elle a un effet un peu rouge quand tu regardes bien au soleil, je kiffe. Et puis en plus de ça l'intérieur clair, je me suis habitué, j'adore. Je trouve c'est... ça vachement élégant moi. C'est... Ouais c'est ça, t'as une voiture foncée extérieure mais clair intérieur, ça se marie tellement bien. Alors attends, tu peux avoir les sièges massants derrière quoi. Donc moi siège massant chauffant ventilé arrière, ouais, pareil. Donc tout est électrique. C'est pareil. Bah du coup bah ça je suis le seul à avoir ça mais donc pareil tu vas bien électrique ouais. J'ai les écrans dans les appuis-têtes. Toi tu les as toi non tu sais pas non t'as pas les écrans toi tu peux peut-être les retrouver et les installer changer juste les appuis-têtes ça serait sur la S500 ou S600 la petite tablette. En fait, moi, elle est un peu configurée pour quelqu'un qui la conduit pas trop pour un chauffeur. D'accord, bah c'est vraiment plus le côté un peu... Je pense que le mec veut juste la conduire. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, malgré que j'ai quand même les options de confort derrière. Comme les voitures modernes, tu vois les boutons sur les côtés. C'est très joli, ça, par contre. D'avoir ouais, l'espèce de siège en bouton. Faire de l'autre côté. Mais j'ai les mêmes trucs que toi. Là. Tout est revêtu de cuir. Et là, ici, toutes les options, siège massant, chauffant. Pendre le bois à l'arrière, il est vraiment très très beau. Ouais. Le milieu comme ça, là, avec les boutons. Et tu peux aussi gonfler les côtés. Ah ça, moi, ça, j'ai pas. Donc, pour l'arrière, pour le maintien. Ah, les tapis, ils sont magnifiques, hein, en AMG comme ça. Ouais, bah, tu vois, tout est en Alcantara, ciel de ton en Alcantara aussi. Ah oui, putain, c'est beau, ça. Ah, comme moi, t'as les petites lumières en haut, ouais, les petits miroirs de courtoisie, ouais. C'est ça.
une erreur de courtoisie. Dès que tu t'installes dans le siège ou dès que tu bouges, regarde, tac, bah t'as la putette qui se lève, ça lève la vitre. Ah, c'est stylé ça. Et toi, de l'avant, quand tu veux reculer, etc., bah t'as juste à baisser la putette et c'est tout. Ah, que moi, ils montent juste et ils descendent jusque là. Le fait qu'ils s'inclinent comme ça, c'est pas mal. Ouais. J'ai l'impression que ça fait plus petit toi à l'arrière que moi, alors que pourtant d'extérieur elle fait plus grande. Je pense que c'est la couleur. Peut-être ça, ouais, le côté noir. Puis après, en même temps, toi, tu conduis allongé. Non, c'est qu'en fait, là, j'ai l'option confort pour entrer et sortir de la voiture. Ah, donc c'est le siège qui se... Le siège, il recule et le volant se monte, tu sais. D'accord. Pour faciliter la descente. T'as quoi? T'as tous les rideaux électriques et tout derrière? Ouais, moi, j'ai rideaux qui montent à l'arrière et sur le pare-brise arrière. Bon, je pense, toi aussi, pour une limousine, tu dois l'avoir. Ouais, tout ça, on le voit. Le petit rideau, ça, c'est classe. En vrai, tu mets ça à plus vite teinté et tu vois rien. Ouais. Tu as juste les vite teintés, tu vois rien. Même la petite cuissotte qui se déplie. Voilà. Pas encore. Il va être installé avant que tu me coupes dans mon élan. Là, on était parti pour installer le frigo. Après, le fax, bon, ça va être un gadget qui va être dans le milieu. Et moi, j'ai aussi, du coup, qu'on a installé. Là, on a les télécommandes pour gérer, du coup, l'écran, pour mettre la télé et tout à l'avant. Et le support à gobelet. Voilà. Du coup, le frigo sera juste ici, on aura juste à ouvrir, sortir la bouteille de champagne et puis voilà, le petit verre à l'avant. Ça, j'aime bien, tu vois, ça, je trouve qu'elle manque un peu des fois de rangement. Bah, elle a vraiment du rangement partout. Hein. Là, même au-dessus, t'as des trucs, je sais même pas quoi ça sert. T'as double miroir de courtoisie, ouais. T'en as là. Je trouve que c'est ce qui a toujours un peu manqué dans les Mercedes, c'est les emplacements en fait pour mettre des trucs. Puis bah, Sono BNU. Ça, c'est le top niveau Sono. Ouais. Et toi, c'est quoi donc, Cardon. Ces modèles-là, c'était la même marque que toi, Ah ouais, ah, je crois que c'était que chez Audi, tu vois, moi, je savais pas. Non, après, ils ont changé, Mercedes, mais ça, c'est le son d'origine, Herman Cardon, c'est dans toutes les classes S, et après, tu pouvais passer en Daniel Olufsen. D'accord, t'as les petits seuils aussi MG. Ouais. Ça, c'est une petite modif que j'ai fait cette semaine, tu vois. J'ai passé... exclusif. Ouais, c'est ça. Bah, je l'ai fait, en fait, entre deux. J'ai fait l'avant... Audi exclusif, ouais. Et j'ai gardé l'arrière en Audi W12. J'ai fait un mix alors que j'ai les jeux, je peux mettre les 4. Ah tu oui, vois. Ça fait bien. Ça, comme ça, ouais, c'était le petit côté sympa. Ouais. Parce que je savais pas, j'étais mitigé entre les deux. Je suis bon, on va faire un mix. Sur l'autre arrière gauche, j'ai marqué, mais arrête. Non, ça fait bien. Oui, le petit Audi exclusif sur la porte avant. Tu t'es fait chier, mais. Et toi, tu l'as le. Comment ça s'appelle déjà le. Soft close. Ouais, ouais. Les portes sont assez lourdes. T'as vu, elles sont aidées de vérin sur celle-ci. Ah oui? Ouais, t'as des vérins quand même pour pouvoir les pousser. Le bois, il est vraiment très très beau. Ouais, le bois est cool. Ouais, le bois est très cool. Tu vas pas nous faire un petit covering carbone dessus? Non. Je pense à du piano black. Après, full black, c'est beau aussi, ouais. C'est très beau ça. C'est très beau. Je l'avais fait dans mon A5 et ça faisait super bien. Mais moi, perso, je la laisserai en bois. Comme moi, au départ, je voulais faire des modifs, mais non, je laisse. Le bois, c'est tellement luxueux en vrai. C'est pareil, ici, t'as tous les boutons, mais pareil, tu peux monter les rideaux de. Bah, c'est pareil, bah, c'est le côté conducteur qui gère toute la voiture. Quoi. Je peux même moi ici du coup pousser le fauteuil du passager. D'accord, ah oui, pas mal ça. Ça je vais pas par contre. Climatisé, chauffant, comme toi de toute façon. Yes. L'ouverture du coffre. Pareil. Ouais, c'est vrai que le tien il va super vite, mais tu dois avoir des sacrés verres. Je peux aussi le fermer comme ça. Ce qui est fou sur ces années là, c'est que c'est déjà... Digital. C'est vrai que le compteur et tout est très beau. Ouais. Tu vois, le seul bémol que je dirais, c'est le volant. Je suis pas fan. T'aimes pas le volant? Non, ouais, c'est un volant AMG. Il y a un volant bois autrement qui existe. Bah, moi, il était très beau d'origine. C'était un 4 branches en bois. Je suis passé, bah, t'as vu, en sport, un peu plus sportif, on va dire. Mais même d'origine, tu vois, j'aime pas en fait les 4 branches, moi. Ouais. Malgré que ça va bien avec une limousine. C'est vrai. Mais moi, c'est le côté sportif, 3 branches, avec le meuplage, j'adore. Parce que là, en fait. Les sièges, ils sont vraiment beaux. Ça fait vraiment arrondi. C'est. Beau, bah pareil, il se règle de millions de manières. Millions de manières, tu peux gonfler ici, dans le bas du dos, les côtés, ici. Ah, que moi il gonfle pas, mais par contre, j'ai même la ceinture électrique. Toi, ah, ouais, c'est vrai, moi aussi. Tu l'as aussi, ouais. Moi aussi, là, ta caméra de vision nocturne. Ah, bien. Donc, la nuit, tout le compteur, en fait, tout le compteur qui est digital passe en caméra et d'accord. Tu vois bah, les animaux, etc. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Là, tu vois la technologie pour les années de 2008-2009, ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Ah bah oui. Parce que moi, elle a aussi le capteur dans la calandre en bas, elle a la conduite adaptative. Donc ouais, la voiture. Bah celle-ci, normalement, elle l'a, mais en gros, pas en option. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est en gros, ça a le régulateur, mais c'est elle qui gère la distance, freine, elle accélère, elle veut te foutre dans le fossé, elle le fait. Tu vois, ça, c'est chez Mercedes, ça s'appelle Distronic. La taille de tes étriers sont vraiment énormes à l'avant. Bah après, on oublie sûrement plein d'options parce que nous, on est habitués à ces voitures-là, mais rien que les sièges électriques. Siège maçon, etc. dans une voiture aujourd'hui, bah, c'est ça n'existe pas. C'est ça.
Donc. T'es en céramique là-dessus, non? Non, ça existe en option aussi, et je suis content, je l'ai. Bah, moi aussi, hein, c'est un des rares trucs qu'elle a pas, et je suis content de pas l'avoir. Hein. Ouais. C'est ouais, ça quand tu changes. Céramique, là, c'est du 8 pistons, et il y a 4 plaquettes par disque. Donc la partie la plus intéressante. Ouais, le nombre de cylindres. C'est ça. Mais du coup, j'ai... Qui a la plus grosse? J'ai autant de cylindrés que toi. Enfin, j'en ai même plus. 6 litres 2, toi 6 litres. Toi, c'est 6 litres 2, ah, ouais. Ouais, c'est marrant, ouais. Et t'as plus de chevaux. Et j'ai un peu plus de chevaux. Donc tu m'as dit 500? 525 d'origine, et là, 500 au moins. Et moi, je suis à 450 à peu près. Voilà, 0 à 100, 4 secondes de 5, je crois, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Donc, ah, pour une limousine, marche. C'est beau. Ah, voilà, ça marche hein. Aussi fort qu'un A45. Oui. Bah, moi, c'est pareil, il y en a plein qui me le disent, mais ça doit être mou. Mais absolument pas. Attends, t'as 450 chevaux. Puis, ouais. Moi, le châssis est full alu aussi. Je sais pas si toi, c'est pareil. Je sais pas. Moi, j'ai le petit logo quand tu ouvres les portes. Tu veux dire que le châssis est tout en alu. Bon, elle est quand même plus lourde que la tienne, c'est ça qui est marrant. Ouais. Bah, t'as plus d'options. Aussi, ouais. Bah, ce sont les options qui font le poids, quoi. C'est sûr. Non, là ça marche. Mais ça marche très fort. C'est clair. Mais les deux, hein. Alors, moi j'ai déjà eu la chance d'avoir essayé la 8. Donc, ah bah oui, c'est ça, tu la connais. Ça marche. Et ça c'est un missile. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir une grosse voiture comme ça pouvoir se déplacer aussi. Ouais, c'est ça. Je mets comme ça. La seule grosse modif que je vais faire, c'est l'Android. D'accord. C'est sûr et les jantes. En tout cas, c'est beau de voir les deux blocs moteurs comme ça, là, ils sont vraiment très très beaux les deux. Bah, les cathédrales. Quoi. Là, ça mérite une petite photo sur Insta d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à ajouter mon pote Léo sur Insta, son Insta sera dans la description de la vidéo. Je me permets de faire une petite photo pour Insta en pleine vidéo YouTube. J'ai l'impression d'être dans Turbo en 2009. Attends, c'est vraiment stylé, le grand angle de l'iPhone 12, c'est énorme. Non, mais là, c'est vrai que ce sont impression cool. Vraiment, c'est des philosophies complètement différentes quand même, parce que bah là. T'as une AMG, là c'est pas une AMG. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, ça reste, ce qui devait être comparé, ça serait plutôt S8. Quoi. La S8, ouais. Qui a du c'est coup un V8. Ouais, c'est ça, exactement. Mais qui sort 450 chevaux aussi. Ah ouais, ouais, elle fait la même puissance que le W12. Ouais. C'est pour ça, au départ, j'étais parti pour le S8. Moi, je préfère le côté option de ouf. Ah et bah, puis, bah, la version limousine. Je voulais une limousine. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur le W12. Puis, même d'avoir deux cylindres de plus, je trouve ça kiffant. De dire que c'est le plus gros moteur qu'ils ont fait, quoi. Mais je lui ai donné ce petit côté look S8, c'est-à-dire les jantes. En 22 pouces, les rétro gris qui sont passés d'ailleurs en dynamique, ça c'est une petite option que moi j'ai ajouté. On a installé aussi le Bluetooth. Ouais, ça faut que je vois ça. Ah ouais, t'as pas le Bluetooth, mais c'est un ingénieur qui me l'a fait, c'est vraiment énorme. Après ouais, du coup tu branches ton téléphone et puis c'est direct. Ah, puis bah le volant, vite teinté. Jantes, porte-drapeau noir. Et puis bah les petits feux US quoi, ça reste des petites modifs soft, faut pas trop... Non, c'est vrai qu'il faut être soft. C'est ça. Bah sur ce genre de voiture. Puis bien sûr, j'ai gardé toutes les pièces d'origine, même la ligne d'échappement. T'as le téléphone à l'intérieur, ça? Ouais, j'ai le téléphone, mais il est intégré complètement au système, en fait. Ah, t'as pas de téléphone ouais, que tu peux prendre dans la main Non. Ah, que moi, il y a vraiment le petit téléphone portable Audi. T'as tout ton système de téléphone. Déjà, ton téléphone, tu peux le connecter en Bluetooth, hein. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas de téléphone en interne, c'est ton téléphone qui va être utilisé pour téléphoner. Et en fait, ici, t'as tout le système pour ton numéro de téléphone. Et autrement, après, bah, tu choisis. Là, j'ai pas de téléphone de connecter, mais avec tes contacts, etc. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ah bon, c'est vraiment très beau, moi j'adore, ça fait luxueux les petites pendules. Ouais, la petite montre. Petite montre dans le milieu, avec écrit AMG, pas mal. IWC. En plus. Donc, je pense que la petite montre, elle coûte assez cher. Tu la prends et tu la mets à ton poignet. Ici, là, t'as tout ce qui est chargeur CD. Yes. Là, ici, tu peux mettre un disque dur. Moi, c'est caché dans la boîte à gants, tout ça, tu vois. Ah ouais. Ici, t'as la double. Ah, pas mal. Ouais, double boîte comme ça. Il me faut un système comme ça pour le taxi, pour le coffre arrière, qui s'ouvre à l'envers. Et du coup, si j'appuie sur ce bouton-là, bah, ça va dégager les appuis-têtes. Est-ce que toi, le ciel de toit, il suit ton toit ouvrant quand tu l'inclines? Ça, je trouve ça énorme dans la mienne. Non. Ah, ça? Ouais. Non, et c'est vrai que je l'avais vu dans la tienne. Je trouve ça vraiment malade, énorme. Ça. Ouais, c'est clair. Non, une fois que là, tu fermes, t'as juste des petites grilles. Ah, pas mal aussi. Voilà. Je laisse tout le temps ouvert, honnêtement. Moi, comme j'ai mon ancienne Classe S, le gros problème, c'était sur l'autoroute, ça faisait vachement de bruit. Le toit, si tu enlevais ça, là, le cache, d'accord. Ça faisait vachement de bruit sur l'autoroute, t'étais obligé de le mettre parce que bah, t'entendais des bruits de vent. Et là, pas du tout, en fait. D'accord. Même le toit, juste en verre fermé comme ça, tu peux rouler, ça fait pas de bruit. Oh, c'est bien. Puis il y a tout qui est en Alcantara, l'intérieur des boîtes, tout est en velours dedans. Elle a le cuir étendu, donc elle a le tableau de bord en cuir.
Ça, c'est beau d'avoir la continuité avec l'écran à côté. Ouais. Ah bah ouais, c'est vrai que l'écran est fou, il donne plein d'infos. Tu vois, bah pareil, tu peux tout changer, le téléphone, machin, la musique. Ouais, quoi, c'est... T'as un compteur AMG, donc c'est que sur les AMG où t'as ce truc-là, où ça te donne la température de boîte. D'accord. Donc avant de taper dedans. Et si on parle de prix, une voiture comme ça, là, au jour d'aujourd'hui? En France? Ouais. Ça vaut 40-45. Ouais, ça coûte un billet quand même. Ouais, parce que tu vois, elle a, celle-ci, elle a exactement 78 000 km. Ouais, donc elle a rien, quoi. Ouais. Bon, j'en ai un peu plus, je dois être à 110, moi, 110 000 à peu près. Ouais, elle a pas beaucoup de kilomètres, celle-ci. Donc... Bah, moi aussi, parce que les celles qui sont à vendre, elles sont toutes à 300, 200 000. Les tapis en mousse. C'est quoi l'odeur dans ta voiture, hein? Mais moi, j'ai ça, quand tu mets le contact. L'odeur, là, c'est notre meuf. Faut pas dire ça. Puis t'as les enceintes aussi sur les côtés qui sortent. Hop, on met ça. Et donc du coup, le petit téléphone Audi qui est juste ici. Et bon, il recherche tout le temps parce qu'il n'y a pas de carte SIM dedans. Donc ça mais sert si pas à tu, grand chose. Si tu le, si tu téléphones au volant avec, est-ce que t'es verbalisable? Ah oui, ça appartient à la voiture. Je sais pas. Bah je sais pas. C'est pour ça ces trucs-là, je sais pas à quoi ça sert. Bah je pense que c'est plutôt... pour la personne de derrière, du coup, la personne diplomatique. Il y en a plein. Normalement, il y a une option, on peut avoir un téléphone à l'arrière, et non, je ne l'ai pas. Mais je l'ai acheté, il faut que je l'installe aussi. Normalement, il est censé être derrière les télécommandes. Okay. Donc, de toute façon, je vais la rendre full option, mais je ne l'ai pas fait encore à l'arrière. Mais ça, oui, ça qu'il est à l'avant, donc c'est plus pour le conducteur. Mais en soi, c'est pas bête ce que tu dis, c'est... On verra bien. Tu vois que là, y a une différence. Si je me fais prendre avec mon téléphone, je ferai hop, prends celui-là. On voit qu'il y a une différence de génération, parce que même là, tes écrans de réglage de clim ou là, devant, tu sais, tout ça, c'est un peu à l'ancienne, là, ouais. Avec des petits écrans. On voit que c'est comme des voitures haut de gamme, quand tu regardes les portes, t'as de l'alcantara, t'as du cuir, t'as de l'aluminium, t'as du bois, t'as tout. Ouais. Et ça, c'est ouf. Les petites enceintes, les petits tweeters, sont magnifiques. Rien que la pièce, là, c'est magnifique comment c'est usiné. C'est ça qui coûte cher. Il y a pas mal de la gens petite carte Dylan Gauthier. Bon, ah, Est-ce que toi tu as ça dans ta porte? Non, tu n'as pas ça? Non. Tout le pack LED, là, il est sympa dans ta caisse. AliExpress. Mais maintenant c'est surtaxé. Et tu vois, il y a une option que je n'ai pas. Normalement, enfin, je l'ai pas. C'est pas trop grave en soi parce que j'ai quand même le démarrage sans clé. Il y a beaucoup d'habitudes qu'on passe ce petit bouton là et du coup tu démarques avec la clé. Moi je peux la démarrer sans clé. Toi je sais pas si tu non. peux. Non, ah, tu as pas non plus. L'option existait mais pareil, je l'ai pas. Tu l'as pas. Mais moi j'ai le démarrage sans clé. Mais par contre, il y en a certaines habitudes, j'ai vu, elles ont l'empreinte digitale. Tu démarres avec ton empreinte digitale. Ah, ça c'est ouf. Ça, c'est ouf. Ouais. Mais bon, c'est un coup. Est-ce que ça merde ces genres de trucs? C'est des gadgets quand ça tombe en panne. Ouais, et puis, c'est. Faut pas le reprogrammer. Si ouais, c'est ça. Puis bah tu peux y voir la pression des pneus sur l'écran, les suspensions pneumatiques monter descendre. Bien sûr, elles ont toutes les deux un système d'alarme intégré. Ou alors, je peux la verrouiller directement en appuyant sur ce bouton. À niveau profondeur, ouais, il est peut-être moins haut, mais plus profond peut-être, je pense. Après, moi, ce ah qui ouais, prend... Il semble beaucoup plus profond, ouais, c'est ouais. clair. Il se fait plus profond, mais moi, bon, après, moi, c'est vrai que j'ai ce tiroir-là qui a été fait pour la reine. Et ce truc-là, c'était fait sur mesure. Hein, c'est, Mais attends, mais ta batterie, elle est où? Elle est ici, sur le côté. Ah ouais, c'est pour ça. En fait, là, ici, tous les systèmes audio, batterie, les systèmes de siège, porte et tout ça en pneumatique, tout est au centre entre les deux fauteuils. Ah oui, d'accord. Pour le centre de gravité. D'accord, donc, ah ouais, coup, donc c'est vraiment... C'est pour ça que le coffre est un peu plus court, quoi. Mais il fait quand même plus haut, on va aller voir, mais... Derrière la plaque, là, t'as une cuisine... Ah oui, d'accord. Cuisiné là, tellement il y a ah tout, oui. tu vois, dedans. C'est vrai qu'il est moins profond, ouais. Ouais. Mais dis-toi que le mien, il va être rétréci, parce qu'après, je vais mettre le frigo. Et ah le ouais, frigo, il prend ça comme place, hein, ouais. c'est... Du coup, t'as un cache. Il y a un cache qui est déjà sur le frigo, donc ça va faire un habillage comme ça, un U. Et le problème, d'accord. c'est que mon tiroir qu'ils ont fait sur mesure avec la moumoute là, ouais. donc je vais le garder vu que ça appartient à l'histoire de la voiture. Il va falloir que je l'entaille pour pouvoir mettre d'accord. du coup le frigo. Mais je sais faire un truc propre quand même. Avec deux vis à placo, ça se verra pas. T'as combien de batteries toi d'origine? Une ou deux? J'en ai trois. Trois batteries? Ouais, il y a trois batteries dedans. Putain la vache! T'as une batterie ici qui s'occupe du moteur, voilà, l'accessoirisation véhicule. Une autre qui est dans le bloc moteur, qui lui, on pense qu'il peut servir au moteur, mais pas du tout. Ah ouais? Il sert aux accessoires. Et on a une troisième en lithium dans le tableau de bord. D'accord, une petite ouais. batterie de moto pour maintenir tout ça en place. Si jamais tu dois changer la batterie ou la débrancher, etc. Celle-ci, elle maintient tout. Ok. Ok, maintenant j'en ai qu'une, elle est à l'arrière, c'est vrai que c'est une grosse batterie, mais... Bah, j'ai eu des soucis de batterie au début, mais maintenant c'est vrai que c'est passé, j'ai plus de problème. C'est la batterie qui était HS en fait. Ouais.
Bah, et c'est des voitures capricieuses. Le moindre. C'est ça. Bah, j'avais fait l'erreur de changer de batterie sans la reprogrammer. Et c'est vrai que normalement, faut toujours reprogrammer les batteries. Surtout sur ces voitures-là. Sur ces voitures-là, ça rigole pas. Bon, là, la batterie, pareil, elle est neuve. Donc... Bah, du coup, quand tu changes de batterie, t'en changes trois, quoi. Ouais, si tu dois changer trois batteries, ça fait mal. Ouais, à 200 balles la batterie, ça pique. Ouais. Voilà, c'est une petite batterie qui est dedans qui doit coûter 80 balles. Celle qui est dans le coffre, 300 balles. Et celle en lithium dans le tableau de bord, elle doit coûter bien 200 balles. Ouais. Ah, quand on l'avait reprogrammé, c'était marqué Jean-Paul des Restonics, il m'a dit qu'il y avait 56 calculateurs dans la voiture. Ouais, c'est à peu près ça pareil. Doit être pareil. Ouais, c'est pareil, puisque quand je range la valise, ça me dit ça, ouais, à peu près. Ah oui, ah, ça te le marque Là, en regardant comme ça, on peut se dire qu'à peu près à l'époque, hein, je parle, 270 000 euros la voiture et la tienne 234. Oh, il y a presque 500 000 euros de voiture. Hein. Un demi-million. Bah, ça fait ça. Ça fait très mafieux aussi. Et pour parler niveau consommation, donc ma moyenne, ouais, 15,7. Donc une moyenne de 16 litres. Des fois, je suis descendu au plus bas à 13 litres. Pour un W12, c'est beau. Et consommation instantanée, je dois être à peu près 20-30 litres. Je sais pas, c'est énorme. Toi, 17, moi. Toi, 17. En mixte, et puis en ville, t'as 30, quoi. 30, ouais. Ouais, bah, c'est kiff-kiff, quoi. Démarrage. C'est de toute beauté, avec les petits logos AMG sur les pots d'échappement. Bon bah c'est parti, on va faire un petit tour. Ah ouais, comment qu'on est trop bien quand t'es posé dedans là. Donc là on va faire un départ arrêté, c'est parti. Ah, c'est vrai que d'extérieur ça chante quand même. Mais ouais, c'est un avion le truc là, on est trop bien dedans. Là. C'est vrai qu'on reconnaît les voitures luxueuses, c'est quand je vois même mon Q7 quand même, qui est une belle voiture. Ouais. Mais la dernière fois on a emmené mes parents, même mes parents ils sont montés dans la 8 et le Q7, c'est pas comparable du tout quoi. C'est... Et pourtant le Q7 c'est pas dégueulasse quoi. C'est vrai que les boutons et tout c'est vraiment plus joli, ça fait plus moderne, c'est. Non, même tout le système d'écran, quand tu vois là, tu sais, pour choisir tes options de véhicule, ça c'est dans des trucs. Plutôt moderne, tu vois. C'est clair. Tu choisis les rétro, les machins. C'est vrai que c'est top. Moi j'aime bien, c'est le petit logo Mercedes qu'on voit à l'avant. Ouais. Ça c'est classe. Il n'y a plus sur les classes S maintenant, pratiquement. Parce que... Bah, sur toutes les Merco, il n'y a plus ce petit truc là qui ressort. Ouais, sauf les classes S. Puis même maintenant, ils mettent souvent, j'ai remarqué, le logo Mercedes, mais genre à moitié plastifié. Ça c'est tout plat, il n'y a même pas de relief. T'as le radar dedans. Ah ouais, ok, d'accord, c'est ça. Mais c'est tellement moins beau. Putain, moi je préfère le côté relief, c'est tellement plus joli. Mais si je la sens. Les tiens sont plus moelleux que la mienne, t'es quand même plus à l'aise je trouve. Ah oui, ça te fait une boule qui te tripote le bas du dos. T'as pas les sièges dynamiques, alors attends, je t'ai mis les sièges dynamiques aussi. Ouais bah de toute façon sur mon Audi c'est pareil, c'est exactement ça, ça te fait une boule qui te masse le bas du dos. Attends, c'est pas extraordinaire mais c'est agréable quoi. Tu vas voir dans les virages. Ah bon, c'est excellent dans le. Ouais. Ah trop bien. Ça me gonfle là sur le côté. C'est ça. Ouais. Ah comment que t'es calé là, tu bouges plus en fait là. Ouais c'est ça. Effectivement pour une limousine ça marche. Voilà. Bah, ça, franchement ça me fait les mêmes sensations qu'avec la mienne, c'est ça. Mais c'est vrai que le son d'origine est très très propre. Ouais, et encore on n'est pas à l'extérieur, mais à l'extérieur ça fait un bruit de ouf, bah, je pense que tu verras tout à l'heure. Mais t'as peut-être des clapets électroniques d'origine. Ah là non, tu non, fais non. Le tour. Non, non, elle est d'origine. Et là, tu vois, je suis en confort, j'étais même pas en sport. Mais tu sais que moi, sur mon A8 d'origine, j'avais des clapets à l'arrière. Ah, ça marche super bien, mais c'est vrai que. Enfin, il y en a une différence de à peu près 50-60 chevaux, là, comme ça, je me rends pas compte, tu vois. Ça fait kiff-kiff avec la tienne. C'est surtout qu'en plus, c'est pas. Tu te fais pas peur avec ces voitures. Ouais, non, c'est ça. Tu es tellement en sécurité là-dedans, enfin, t'es. Quand tu tournes, c'est vraiment énorme, ça te gonfle le côté, la voiture elle anticipe le coup de volant quoi, limite. Ah bah oui. C'est marrant, puis on entend le coussin qui fait ouais, pchut, ouais. Pchut. Ah ouais, ça marche. La petite caméra. En gros, tu peux choisir ici, et là tu vois, si je tourne le volant. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça me met...
Et donc en gros après si moi je veux que moi j'ai que ça garer ouais. sur la place en créneau, ouais. Et bah elle va t'indiquer comment tourner le comment faire le truc. Ça place. C'est propre. C'est vrai que la qualité d'image ça fait comme moi, c'est pas où c'est les premières ouais. caméras ouais, on va dire. Première caméra c'est même pas du HD quoi. Pourtant l'écran en termes de qualité. On est pas mal, même le compteur. Ouais, c'est clair. Quand la caméra de vision nocturne est allumée, c'est en HD. Enfin, en tout cas, c'est très propre. Ah, du coup, t'as écrit l'écriture chinoise en haut, donc tu comptes passer l'écran ouais, en Android. Ouais, en gros, ça dégage les boutons, tout ça, ça dégage. Et là, j'ai un écran. Et puis, ça sera écran tactile, Bluetooth, ouais. Et ouais, ça va être pas mal ça. C'est ça, parce que là, ça. Moi, c'est pas possible pour chargeur CD et tout, c'est chiant quoi. Ouais, c'est clair. Bon, bah, entre temps, j'ai aussi installé le frigo dans mon A8. Ça, c'est stylé. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation. On se quitte sur ces belles images. Allez, salut les amis.